بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. On reprend la lecture du Muwatta de l'imam Malik ibn Anas rahimahullah ta'ala. قال رحمه الله تعالى باب التعوذ والرقية من في المرض. Donc nous sommes arrivés au chapitre التعوذ, c'est-à-dire la protection, le fait de chercher la protection, والرقية, الرقية c'est l'incantation lors de la maladie. En fait, c'est un chapitre où l'imam Malik رحمه الله cite des hadiths sur des pratiques qu'on peut faire pour demander la guérison d'Allah subhanahu wa ta'ala contre la souffrance et la maladie. حدثني عن مالك عن يزيد بن خصيفة أن عمرو بن عبد الله بن كعب السلمي أخبره أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره عن عثمان بن أبي العاص عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عثمان قال عثمان وبي وجع قد كاد يهلكني قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسحه بيمينك سبع مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد قال فقلت ذلك فأذهب الله ما كان بي فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم. Donc dans ce hadith, donc je vous rappelle, des fois j'ai du mal à lire à cause il y a trop de parenthèses, parce qu'ils ont mis les 8 riwayats du Muwatta dans un seul, donc des fois il faut que j'attende la fin de la parenthèse pour lire. Donc il dit donc Ubaydullah ibn Yahya al-Layfi rapporte ce hadith de l'imam Malik rahimahullah, qui le rapporte de Uthman ibn Abi al-As radiallahu anhu, qui dit qu'il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il souffrait d'une douleur. Il dit wabi waja'un qad kada yuhlikuni, c'est-à-dire je souffrais d'un mal et d'une douleur qui a failli me faire périr, j'ai failli en mourir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit essuie-le, imsahhu, ici c'est dans le sens passe ta main dessus, c'est-à-dire à l'endroit qui te fait mal. Donc ici il a dit imsahhu, dans un autre hadith il a dit dha', c'est-à-dire simplement poser la main. Et il a dit sept fois أعوذ, donc il a dit par ta main droite et dit cette fois أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد. Et dans une autre version plus détaillée, en fait il lui a dit d'abord de dire Bismillah trois fois et ensuite de dire sept fois cette dua أعوذ بعزة الله, c'est-à-dire je cherche la protection ou le refuge auprès de la puissance d'Allah, وقدرته, et de sa force, min sharri ma ajidu, contre le mal que je trouve. Et dans une autre version authentique, il a dit wa uhadir, et contre le mal que je crains. Donc ça, qu'est-ce que ça montre? Ça montre pour celui qui souffre d'un mal dans son corps, eh bien qu'il est légiféré, que c'est une sunna, qu'il pose sa main droite sur cet endroit en récitant cette invocation. Il dit bismillah trois fois d'abord, et après il dit a'udhu bi'izzatillah wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir sept fois. Et Uthman ibn Abi al-As disait Allah a fait partir ce que j'avais. Donc il a guéri par la cause de cette invocation et il a dit je n'ai cessé par la suite de l'ordonner à ma famille et aux autres. À ma famille et aux autres. C'est-à-dire que il a appliqué le hadith La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nul d'entre vous n'aura la foi tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc par compassion envers ses frères musulmans et envers sa famille, il leur enseignait et il répandait cette sunna et cette dua. Bien sûr, également, quand on fait ce genre de dua, la plus grande cause qui va faire qu'elle réussisse, c'est que le cœur se dirige sincèrement vers Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on exprime sincèrement notre besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala par notre cœur. Donc, at-tawakkul, la confiance en Allah avec cette invocation, بإذن الله سبحانه وتعالى par la permission d'Allah, ça donne la guérison. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. قالت فلما اشتد وجعه كنت أنا أقرأ عليه وأمسح عليه بيمينه رجاء بركتها. Donc ici c'est un hadith de Aïcha radiallahu anha qui dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam se plaignait, il ashtaka, en fait ici c'est-à-dire quand il souffrait. Donc quand il souffrait dans son corps d'une douleur ou d'une maladie, il lisait sur lui-même Al-Mu'awwidhat. Al-Mu'awwidhat, Qul huwa Allah ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, et Qul a'udhu bi rabbil nas. Elle dit donc il les lisait sur lui-même, wa yanfuthu. Un nafthu, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de souffler avec un peu de salive. Donc c'est comme poustillonner. Donc ça aussi, ça existe, c'est une sorte de ruqya. C'est que lorsqu'on souffre d'une douleur ou d'une maladie, on place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, on récite les trois dernières sourates du Coran, et on poustillonne à l'endroit qui nous fait mal. Donc ça aussi, c'est une autre sunna, comme la dua qu'on a vue juste avant. Et Aïcha radiallahu anha a dit, quand ses douleurs étaient trop fortes, c'est-à-dire quand il n'arrivait pas à le faire lui-même, comme avant sa mort par exemple, elle dit, c'est moi qui lisais sur lui, et je passais sa main droite. C'est-à-dire, elle lisait dans sa main, dans la main du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et elle passait la main du prophète sur l'endroit du corps du prophète qui lui faisait mal, sallallahu alayhi wa sallam, et elle a dit, raja abarakatiha, en espérant la baraka de sa main droite. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on sait qu'Allah azza wa jalla a mis dans son corps la baraka. Il y avait la baraka dans sa salive, dans les poils de sa barbe, dans ses cheveux, et dans son corps. Donc ça également, il faut l'appliquer. Lorsqu'on souffre de quelque chose. Et on avait parlé du Aïn la fois dernière. Et il faut savoir que beaucoup de mal qui touche les gens, parfois les gens ne le soupçonnent pas, mais ça peut venir du Aïn. Donc quand on se rend compte que les médicaments ne fonctionnent pas, que le médecin a tout essayé, etc., eh bien, il faut toujours penser, et même avant même d'aller chez le médecin si on veut, il faut penser à ce qu'on appelle Ar-Ruqya. Et quand on dit Ar-Ruqya, Ar-Ruqya, il ne s'agit pas d'appeler quelqu'un et de lui donner 20 euros pour qu'il nous fasse Ar-Ruqya. Ar-Ruqya, c'est-à-dire de réciter sur soi-même des du'a, des invocations, ou alors des sourates du Coran, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné. Donc on pose par exemple la main sur l'endroit, on dit Bismillah, 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 A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi, min sharri ma ajidu wa uhadir, 7 fois. Ou alors, on récite les trois dernières sourates du Coran et on poustillonne à l'endroit qui est atteint, à l'endroit qui nous fait souffrir. Est-ce que une personne, quand il va rendre visite à quelqu'un, il est malade sur lui, ou des fois il est dans le passage début de la fin, est-ce qu'il peut mettre la main sur lui, ou sur son pied, sur le doigt qui est mal, et il peut reciter ce que tu viens de dire? Bien sûr. Oui, bien sûr. Comme la ruqya, elle est valable de la personne sur elle-même, elle est valable également d'une personne sur une autre. Donc on peut faire également... Quand on pose la main sur l'endroit, on dit « Allahumma rabban nas, adhibil ba'as », etc. L'autre dua également qui est connu. « Wa haddathani an malikin, an Yahya ibn Sa'id, an Amrata binti Abdurrahman, an Aba Bakrin as-Siddiqa, dakhala ala Aishata radiallahu anha, wa hiya tashtaki, wa yahudiyatun tarqiha, faqala Abu Bakrin irqiha bi kitabillahi jalla wa az. » Donc ici c'est un hadith, premièrement, qui n'est pas authentique. Pourquoi? Parce qu'il est rapporté d'une femme qui s'appelle Amra bint Abdurrahman et qui n'a pas connu Abu Bakr. Or, elle rapporte l'histoire d'Abu Bakr. Donc, on sait que ce qu'elle raconte ici, elle n'a pas pu le voir. Et on ne sait pas qui est l'intermédiaire entre elle et Abu Bakr, radiallahu anhu. La deuxième chose, c'est que le texte du hadith, quand je vais le traduire, vous allez comprendre tout de suite. Elle dit donc qu'Abu Bakr est entré chez Aïcha, donc sa fille, qui souffrait, et une juive était en train de lui faire une ruqya. En fait, il est très probable que le rapporteur du hadith a inversé. Au lieu de dire « Aïcha faisait ruqya à la juive », il a dit « la juive faisait ruqya à Aïcha ». Parce qu'il est complètement insensé que Aïcha, radiallahu anha, hein, la femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se tourne vers une juive, une kafira, pour qu'elle lui fasse ruqya. Donc ce qui est probable, c'est soit que le hadith est complètement faux, ou soit que c'est le rapporteur du hadith qui s'est trompé. Il a inversé entre Aïcha et la femme juive, et dans l'histoire, elle dit, Abu Bakr a dit à la femme, fais-lui ruqya, donc fais-lui l'incantation par le livre d'Allah. Ce qui confirme que l'histoire, elle ne peut pas être vraie, puisque la juive, elle ne croit pas au Coran, elle ne connaît pas le Coran. Et si le livre d'Allah, ici, on parle de At-Tawrah,
Abou Bakr ne va pas dire à une juive, récite la Torah sur Aïcha, alors qu'il sait pertinemment que les juifs ont changé la Torah. Donc ce hadith, il ne faut pas en prendre compte. Babu ta'aluji al-marid. Donc maintenant, il met un chapitre sur ta'aluji al-marid, c'est-à-dire le fait que le malade se soigne. Donc dans l'islam, il est permis et il est même recommandé que le malade cherche sabab, c'est-à-dire les causes qui vont entraîner sa guérison, tout en espérant la guérison et en la demandant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait tada'u ibadallah, soignez-vous, tada'u, c'est-à-dire utilisez les médicaments et les soins aux serviteurs d'Allah. Donc ça ne contredit pas le tawhid, le monothéisme, et ça ne contredit pas la confiance en Allah. Mais ça fait partie du tawhid et du tawakkul, de la confiance en Allah. Car la confiance en Allah, elle a deux piliers, qui sont premièrement le fait que le cœur espère d'Allah, c'est-à-dire, ils disent, i'timadul qalbi ala Allah, le fait que le cœur espère ce qu'il recherche d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le deuxième pilier du tawakkul, c'est le fait de faire, de mettre en pratique al-asbab, c'est-à-dire les causes, les moyens pour arriver à ce qu'on veut. Et les moyens, il faut qu'ils existent, c'est-à-dire que ce ne soient pas des moyens, pas de la superstition ou des choses farfelues, il faut que ce soit des moyens concrets, et deuxièmement, que ce soit des moyens qui soient halal, qui soient licites. Donc il dit ici, « Haddathani an malikin an Zayd ibn Aslam, anna rajulan fi zamani rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, asabahu jurhun, fahtaqana jurhu d-dama, wa anna rajula da'a rajulayni min bani anmarin, fanazara ilayhi, فزعما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما أيكما أطب فقال أو في الطب خير يا رسول الله فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء. Donc ici c'est un hadith, quand on regarde la chaîne de transmission, il est mursal. Qu'est-ce que ça veut dire mursal? Ici c'est Zayd ibn Aslam qui est un tabi'i qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or un tabi'i, qu'est-ce qu'on dit ici, n'a pas rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc forcément il y a un intermédiaire entre lui et le prophète, et ici l'intermédiaire n'est pas cité. Donc on ne peut pas savoir si le hadith est authentique ou pas. Et, mais ce hadith, comme on va le voir, son sens il est valable, parce qu'il y a beaucoup d'autres hadiths authentiques qui disent à peu près le même sens, la même phrase. Donc il dit qu'un homme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été blessé et le sang coulait à flot de sa blessure, et il a appelé deux hommes de Bani Anmar, c'est-à-dire une tribu qui s'appelle Banu Anmar, et ils disent, ces deux hommes, ils rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit ayyukuma atabbu, atabbu c'est-à-dire a'lamu bit-tib, lequel d'entre vous connaît mieux at-tib, c'est-à-dire la médecine. Et les gens ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il y a du bien dans la médecine au messager d'Allah? Et il a répondu, celui qui a descendu la maladie, c'est celui qui a descendu le mal. Et cette phrase du hadith, il y a plusieurs hadiths comme ça qui sont connus, qui sont authentiques. Ma anzalallahu da'an, illa anzalallahu shifa'an ou dawa'an. Allah n'a pas descendu une maladie sans lui avoir descendu un remède. Donc cette phrase du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, premièrement, c'est bien lui qui a fait descendre la maladie, et ça on y croit, puisqu'on croit que Allah c'est Rabbul Alamin, c'est lui le souverain du monde. Donc il ne peut rien se passer sans que lui l'ait voulu. Donc c'est lui qui a créé la maladie pour éprouver les gens. Est-ce qu'ils vont patienter ou est-ce qu'ils vont se mettre en colère contre le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'ils vont espérer la miséricorde d'Allah ou est-ce qu'ils vont désespérer? Est-ce qu'ils vont se tourner vers Allah pour demander la guérison, etc. Donc la maladie, c'est une épreuve. Mais Allah nous a informé par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que pour chaque maladie, il a descendu un remède. Et dans un hadith, le prophète a dit, « Alimahu man alimahu, wa jahilahu man jahilahu. » Celui qui le connaît, et celui qui l'ignore, l'ignore. Donc, de façon naturelle, si on posait la question, est-ce que l'islam encourage au progrès de la médecine et à la recherche dans la médecine, bien la réponse elle est, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous dire que pour chaque maladie il y a un remède juste pour nous le dire ou pour quelque chose derrière? Est-ce qu'il attend de nous quelque chose derrière?
Est-ce qu'il nous dit simplement chaque maladie a un remède pour qu'on le sache ou pour qu'on cherche le remède? Donc dans ce sens, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a poussé At-Tib, a encouragé At-Tib, a encouragé la médecine et la recherche sur tout ce qui touche à la santé. Et ça nous montre aussi que un médecin, il ne doit jamais dire à son patient que sa maladie n'a pas de remède. Et de même qu'un patient ne doit jamais croire que sa maladie n'a pas de remède. Même si les meilleurs chercheurs du monde ils lui disent qu'il n'y a pas de remède à sa maladie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah n'a pas descendu une maladie sans lui descendre un remède. Le problème, qu'il est où? C'est qu'eux ne connaissent pas le remède. C'est pas que le remède n'existe pas. Donc le médecin musulman, quand il est face à un cas, entre guillemets, désespéré, il ne doit jamais dire qu'il n'y a pas de remède pour cette maladie. Il doit dire qu'il ne connaît pas le remède qu'il y a pour cette maladie. De même que le patient, il ne doit pas désespérer et se dire qu'il n'y a pas de remède à sa maladie. Mais il se tourne toujours vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et de toute façon, comme on l'a vu précédemment, même quand il n'y a pas de remède qui est connu autour de lui, qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste al-ruqya. Il lui reste de réciter le Coran et l'adhiya, c'est-à-dire les invocations sur sa personne. Et il y a beaucoup de gens dans certains pays qui ont pratiqué ça, mais avec assiduité. Parfois, ils avaient des maladies très graves et ils ont guéri par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le Coran et avec les du'as. Bien sûr, ils ne récitaient pas la Fatiha juste une fois. Ils ont fait des efforts, c'est-à-dire que c'était pendant des jours et des mois et des années qu'ils ont récité le Coran et invoqué Allah, et au bout d'un moment, Allah a donné la guérison pour cette maladie, alors que, normalement, comme ils disent, elle était inguérissable pour les médecins. « Wa haddathani an malikin an Yahya ibn Sa'id annahu qal balagani anna Sa'd ibn Zurara taktawa fi zamani Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam min al-zabhati famat. Wa haddathani an malikin an nafi'in anna Abdullah ibn Umar اكتوى من اللقوة ورقي من العقرب. Donc ici il a rapporté deux hadiths. Le premier c'est que Sa'd ibn Zurara, qui était un sahabi radiallahu anhu, اكتوى. Qu'est-ce que ça veut dire اكتوى? Ça vient de el-kay. El-kay c'est la cautérisation. C'est le fait de soigner quelqu'un par le feu. Donc par exemple on prend un bâton en fer, je pense que les anciens ils ont déjà vu ça au bled. On prend un bâton en fer, on brûle la pointe, on la fait chauffer, et à la fin on la met sur l'endroit qui est malade. Donc ça fait cicatriser, etc. C'est très efficace. Donc ça on appelle ça El-Kay. Donc il rapporte ici que Sa'd ibn Zurara a pratiqué El-Kay pour une maladie qu'ils appellent Al-Zabha. Al-Zabha, ils expliquent ça par du pu, une maladie qui touche la gorge, et le pu gonfle, et la gorge gonfle au point que la personne ne peut plus respirer et meurt. Donc lui, il a fait le kay, mais il est mort quand même. Qu'est-ce qu'on retire en fait de ce hadith ici? C'est qu'il a pratiqué le kay à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'est pas rapporté que le prophète lui a reproché cela. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le kay est licite. C'est pour ça que c'est ça le sens du hadith ici. C'est pas qu'il a pratiqué le kay et il est mort. Parce que ça voudrait dire que le kay est nuisible, alors que le kay, il est connu que c'est efficace. Et les Arabes, ils se soignaient avec ça avant. Mais ce qu'il veut dire par ce hadith, c'est que le prophète ici, sallallahu alayhi wa sallam, a approuvé El-Kay. Il l'a laissé. Et dans le hadith suivant, il dit que Abdullah ibn Omar, iktawa, c'est-à-dire on lui a fait El-Kay, contre Al-Laqwa. Al-Laqwa ou alors Al-Luqwa, Allahu A'lam. Donc c'est Al-Laqwa. En fait, c'est une maladie qui touche le visage. Et c'est quand les nerfs, ils s'affaiblissent et le visage, il tombe. Une partie du visage, elle tombe. Comme par exemple la lèvre qui pend, la joue qui pend, etc. Donc Abdullah ibn Omar a souffert de ça, radiallahu anhuma, et on lui a fait El-Kay. Et également, il a fait Al-Ruqya contre les piqûres de scorpions. Donc qu'est-ce qu'il nous montre ces deux hadiths? Premièrement, l'approbation du prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis du Kay, la cautérisation, et deuxièmement, qu'un compagnon l'a pratiqué. Donc ça, c'est pour nous qu'on arrive à parler du jugement du statut de El-Kay, de la cautérisation. Donc dans ces deux hadiths, on a l'approbation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et là, d'un compagnon qui l'a pratiqué. Et dans d'autres hadiths, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même a pratiqué El-Kay sur quelqu'un. En l'occurrence, Sa'd ibn Mu'adh, radiallahu anhu, quand il était blessé après la bataille de l'Ahzab. Le prophète lui-même lui a pratiqué El-Kay. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé à un sahabi qu'on lui fasse El-Kay, la cautérisation.
Et dans d'autres hadiths, il est connu que les sahaba le pratiquaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ne disaient rien. Donc ça, tous ces hadiths-là, ils vont en faveur de la cautérisation. Comme quoi elle est licite ou elle est même recommandée. Mais à l'opposé, on a d'autres hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait par exemple « Al-shifa'u fi salatha » La guérison, elle est dans trois choses. « Shurbatu asal » Le fait de boire du miel. « Wa shurtatu mihjam » C'est-à-dire le hijama. « Wa wal-kay » Et la cautérisation. Et il a dit « Wa anha ummati anil-kay » Et j'interdis à ma communauté la cautérisation. Ou alors il a dit « Wa akrahu al-kay » Et je déteste al-kay. Donc comment on peut rallier tous ces hadiths? En disant que al-kay est déconseillé, mais il n'est pas complètement interdit. C'est-à-dire que celui qui souffre et qui voudrait pratiquer le kay, le mieux pour lui, c'est de ne pas le pratiquer. Après, également, on peut se poser la question, pourquoi il est déconseillé? Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a recommandé al-tadawi, ou al-ta'alut, le fait de se soigner. Donc pourquoi le kay, précisément, serait mal vu ou serait déconseillé? Eh bien, là, certains savants disent c'est parce que dedans, il y a une sorte de ta'zib, de torture, parce qu'effectivement, c'est une grande douleur, et qu'il est mieux pour la personne de patienter sur sa maladie que de subir le kay. Ou alors, certains disent aussi c'est parce que le kay était pratiqué avant l'islam à tort et à travers. Pour la moindre raison, il pratiquait el kay. Wallahu a'lam, donc quelle est la raison? Donc certains savants disent également que le kay n'est pas déconseillé, mais il est déconseillé sur le pratique tel que le pratiquaient les Arabes avant l'islam. C'est-à-dire qu'ils le pratiquaient pour la moindre chose, même sans besoin. Alors que comme dans la cautérisation, il y a un azab, c'est-à-dire une souffrance, il faut la pratiquer qu'en cas de vrai besoin. Et dans ce cas-là, il n'est pas makruh, il n'est pas déconseillé. Et en ça, ce sont des compréhensions pour essayer d'accorder tous ces hadiths. Donc on peut dire que le kay, il est permis, mais déconseillé, et le mieux, c'est de s'en passer, et que la personne elle peut espérer la récompense d'Allah en se passant du kay, ou alors de dire que le kay est déconseillé, sauf s'il est pour un cas où réellement on en a besoin, alors là il n'est plus déconseillé. Comme Sa'd ibn Mu'az par exemple, qui avait une blessure qui coulait à flot. Donc lui il en avait vraiment besoin, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a pratiqué. De toute façon, la cautérisation, je ne pense pas qu'elle soit encore pratiquée dans les hôpitaux, Allah a'lam, parce qu'il peut y avoir des façons de soigner maintenant qui sont de la cautérisation. Il faut se renseigner. وحدثني أرسلت الذي قال ما ورقية من العقرب دوك عبد الله بن عمر a fait la ruqya contre le scorpion, c'est-à-dire contre la piqûre de scorpion. Et ça c'est dit dans un hadith que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit la ruqya illa min aynin ou huma ou huma al-humatu. Al-humatu, qu'est-ce que c'est? C'est la piqûre ou la morsure de quelque chose de venimeux, comme d'un serpent, d'un scorpion, etc. Le prophète a dit صلى الله عليه وسلم il n'y a pas de ruqya sauf pour le mauvais œil ou pour Al-Huma. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de meilleur ruqya et de ruqya plus efficace que quand on l'a fait pour l'Ain, le mauvais œil ou Al-Huma. Donc ça c'est applicable aussi pour quelqu'un par exemple qui se fait piquer par, donc déjà bien sûr un scorpion ou qui se fait mordre par un serpent, mais même également par exemple une guêpe, etc. Donc toutes les morsures ou les piqûres qui sont dangereuses, eh bien on peut se dépêcher de réciter la Fatiha. Et si on le fait avec confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est très efficace. Il dit ensuite, rahimahullah ta'ala, babul ghasli bil ma'i min al-humma. Il dit le fait de se laver avec de l'eau contre la fièvre. Là, c'est un chapitre. Al-humma, qu'est-ce que c'est? C'est le fait, c'est la fièvre. Le fait de souffrir de la fièvre. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans les hadiths qu'on va lire, il nous a montré un remède pour calmer la fièvre, c'est l'eau. L'eau, donc l'eau, qu'elle soit froide ou à température ambiante, et bien sûr si elle est froide, c'est plus efficace. Donc le fait que la personne calme la fièvre avec de l'eau froide. Donc il dit, « Haddathani an Malikin, an Hisham ibn Urwa, an Fatimata bint al-Mundir, anna Asma'a bint Abi Bakrin, kanat idha utiyat bil mar'ati wa qad hummat, tad'u laha, akhadat al-ma'a fasabbathu baynaha wa bayna jaybiha, وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نبردها بالماء. Donc ici c'est Fatima bint al-Mundir qui rapporte que Asma, la fille d'Abu Bakr, radiallahu anha, quand une femme venait la voir et qu'elle était atteinte de fièvre, Asma faisait d'abord des invocations pour cette femme, et ensuite elle prenait de l'eau et elle la versait. Elle a dit بينها وبين
Jaybiha. C'est-à-dire qu'elle l'a versé ici. La femme, elle ouvrait un peu sa robe ou son kamis et elle versait l'eau ici sur sa poitrine. Donc ce n'est pas dans le sens où on prend une douche complète. C'est de verser un peu d'eau, notamment ils disent par exemple sur l'extrémité, comme les mains, les pieds, etc. Et ensuite elle a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait ordonné, c'est-à-dire ici conseillé, de la refroidir, c'est-à-dire de la calmer avec de l'eau. Donc elle a attribué ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a orienté de calmer la fièvre avec de l'eau. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. Dans ce hadith, le prophète a dit صلى الله عليه وسلم la fièvre vient du souffle de l'enfer, Jahannam. Alors calmez-la avec de l'eau. Que veut dire donc le souffle de l'enfer ici? Allahu a'lam. C'est-à-dire ce genre de choses, on s'y soumet, on l'accepte telle qu'elle et on ne cherche pas à l'interpréter ou expliquer le comment. Comment la fièvre peut venir du souffle de l'enfer? Ça c'est quelque chose qu'Allah Azza wa Jal sait. C'est comme quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'enfer avait deux souffles, un en été et un en hiver, et c'est là que les gens trouvent la chaleur la plus dure ou le froid le plus dur. Donc ce genre de choses sont des choses qu'on ne peut pas comprendre avec la raison. Ce sont simplement des choses auxquelles on doit croire. « وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء » Dans l'autre hadith ici, c'est la même chose. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, la fièvre vient du souffle de l'enfer, alors éteignez-la avec l'eau. ثم قال رحمه الله تعالى باب عيادة المريض والطيارة. Donc ici, il a mis un chapitre sur عيادة المريض. عيادة المريض, c'est comme زيارة المريض. C'est-à-dire le fait de visiter un malade. Wa-tiyara, qu'est-ce que c'est? C'est la superstition, l'augure. Donc la visite du malade, c'est une sunna bien connue dans l'islam, et ça fait partie de mahasinul islam, la beauté de l'islam. C'est le fait que l'islam, donc, il entraîne les gens à avoir un lien social, et à ce que les membres de la communauté aient toujours un lien les uns avec les autres. Et donc, iyadatul marid, c'est une sunna qui est citée dans beaucoup de hadiths. Le fait de visiter une personne lorsqu'elle est malade, et également, le tout, c'est pas de la visiter, mais c'est aussi de respecter adab ziyara, c'est-à-dire le comportement à avoir quand on visite quelqu'un qui est malade. Comme le fait d'invoquer Allah pour lui, par exemple, le fait de lui demander comment il va, le fait de le réjouir, comme il est dans une situation difficile, il faut lui parler de choses qui sont réjouissantes, des choses hein, qui vont le réjouir, etc., des bonnes nouvelles, ou alors lui donner de l'espoir, tu vas guérir, Inch'Allah. Tes péchés seront pardonnés, Inch'Allah, etc. Et également de ne pas rester trop longtemps chez lui. Sauf si lui, il exprime la demande et le désir que tu restes longtemps. Sinon, il ne faut pas rester longtemps, parce que la personne, elle souffre, et peut-être qu'il est lourd pour elle de parler avec quelqu'un, qu'elle a envie de se reposer, etc. Donc il dit ici, « حدثني عن مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال » إذا عاد الرجل المريض خاض الرحمة حتى إذا قعد عندهم قرت فيه أو نحو هذا. Donc ici il rapporte un hadith comme quoi le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam إذا عاد الرجل المريض, quand l'homme visite un malade, خاض الرحمة ou خاض في الرحمة. خاض, c'est un verbe qui s'emploie pour dire quand quelqu'un rentre dans l'eau. Ici il a dit il rentre dans la rahma. Il a comparé la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'eau. Dans le sens où la personne, c'est comme si elle plonge et elle pénètre dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, حَتَّ إِذَا قَعَدَ عِنْدَهُ قَرَّتْ فِيهِ. Puis, quand il s'assoit auprès de la personne, قَرَّتْ فِيهِ, c'est-à-dire elle reste en lui, la miséricorde. Et les autres rapporteurs que l'imam Malik ont dit, إِسْتَقَرَّ فِيهَا. Ils ont dit, c'est l'homme qui reste stable dans la miséricorde d'Allah, c'est-à-dire qu'il est bien ancré et bien implanté dans la miséricorde d'Allah. C'est ça que ça veut dire.
Donc ça veut dire que celui qui visite un malade, eh bien, c'est une des causes pour avoir et être recouvert de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on sait qu'on a beaucoup besoin de la miséricorde d'Allah. Donc il faut prendre le maximum de asbab, c'est-à-dire mettre le maximum de, comme on dit, de flèches à notre arc pour avoir la miséricorde d'Allah, la satisfaction d'Allah. Et en plus, c'est quelque chose de facile. Mais c'est facile, hein? De corde à notre arc. Là. Quand il dit j'ai plus une corde à mon arc, c'est ça que je voulais dire. Bon, les flèches aussi, c'est bien si on a plusieurs flèches. Hein? Si j'ai qu'une flèche à l'arc aussi, ça craint, quoi. Donc si je peux en avoir plusieurs. Donc ici, ça montre le mérite de la visite du malade et que c'est une cause pour être couvert de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un malade, quel que soit sa confession religieuse ou bien le non-musulman ici aussi, tu peux le visiter. Surtout si tu espères qu'il se convertisse. Ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on sait qu'il a visité un voisin juif avant qu'il meure, quand il s'est converti, etc. Donc, à un non-musulman, on peut le visiter quand il est malade. Est-ce la récompense, elle est pareille ? Allahu a'lam. Parce que le hadith, il est général. Il a dit quand il visite le malade, sans préciser malade musulman ou non-musulman. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن ابن عطية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا هام ولا صفر ولا يحل الممرض على المصح وليحلل المصح حيث شاء وليحلل المصح حيث شاء فقالوا يا رسول الله وما ذاك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أذى. Donc ici c'est un hadith qui existe dans d'autres livres, il a plusieurs versions. Le prophète a dit صلى الله عليه وسلم لا عدوى. La adwa, qu'est-ce que c'est ? C'est la contagion. Le fait qu'une maladie se déplace d'un corps à un autre, d'une personne à une autre, d'un animal à un autre. Donc le prophète ici صلى الله عليه وسلم a dit لا عدوى. Il n'y a pas de contagion. Les savants ont divergé sur cette phrase. Est-ce qu'il veut dire que la contagion n'existe pas ou est-ce qu'il veut dire qu'il ne faut pas craindre la contagion? Donc certains savants ont dit que ça veut dire que la contagion n'existe pas complètement. Et d'autres savants ont dit que la contagion existe et la preuve, c'est que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, « Furra min al-majdoum, firaraka min al-asad » ou plutôt « Firra min al-majdoum, firaraka min al-asad » Fuis d'un lépreux comme tu fuis d'un lion. Également, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand un groupe est venu lui prêter serment, se convertir à l'islam, parmi eux, il y avait un lépreux, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne lui a pas prêté serment directement. L'homme est resté à l'écart, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a transmis qu'il lui prêtait serment. Il lui a pas, donc, il n'a pas été le voir, il ne lui a pas non plus serré la main. Donc, il y a plusieurs. Également, le prophète, on sait, sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths, il a interdit que quand la peste touche un pays, que les gens du pays sortent du pays et que les étrangers rentrent dans le pays. Donc tout ça, ces hadiths-là, qu'est-ce qu'on en retire? C'est de crainte que d'être touché par la maladie et que donc la contagion, elle existe bien. Donc qu'est-ce qu'il veut dire alors par la adwa si la contagion, elle existe? Eh bien on peut dire, c'est dans le sens où la adwa existe, mais que les gens avant l'islam pensaient que la maladie c'était comme quelque chose qui, un être vivant avec un esprit, c'est-à-dire comme un animal si vous voulez, comme quelque chose qui décide, qui se déplace d'une personne à l'autre et qui décide. Donc l'islam a enlevé cette fausse croyance. Et on sait que la maladie donc c'est une chose qu'Allah Azza wa Jalla cause, et également qu'elle peut se passer d'une personne à une autre par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est-à-dire que notre confiance en Allah, notre foi en Allah, elle est au-dessus du fait de croire que la contagion va décider de qui elle touche, par exemple, que la maladie va décider de qui elle touche, ou alors qu'elle va forcément toucher tout le monde. Croire ça, c'est digne de la jahiliya. Par contre, croire que la contagion existe, et que c'est une cause par laquelle Allah fait déplacer la maladie, ça n'a pas de, ça ne contredit pas le tawhid. Ensuite, il a dit « wala hama ». Et dans une autre version, il a dit « wala hammata ». Al-hamma, c'est le hibou. Donc si on traduit le hadith, il a dit « il n'y a pas de hibou ». Est-ce que ça veut dire que le hibou n'existe pas ? Non, c'est pas ça.
C'est pour ça que je vous avais déjà dit plusieurs fois, quand il y a la phrase la, la hamma ou la salata, etc., on peut le. Là, ça ne veut pas dire il n'existe pas. Ça peut vouloir dire autre chose. Parce qu'ici, le prophète ne veut pas dire qu'il n'y a pas de hibou. On sait que le hibou, il existe. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il parle de la croyance que les Arabes avaient dans le hibou avant l'islam. Ils pensaient que le hibou, il portait malheur. Et il disait que quand le hibou il se pose sur le toit de la maison de quelqu'un, il y aura un mort dans la maison. Donc ils avaient plein de superstitions et de fausses croyances vis-à-vis du hibou. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annulé ces fausses croyances. Le mal il vient d'Allah et le bien il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour l'histoire des chats noirs. Ben, c'est la même chose. C'est la même chose. On peut dire la il n'y a pas de chat. En France, on peut dire ça. C'est la même chose. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait de ne pas croire à des fausses causes, aux fausses croyances et aux superstitions. Car le fait qu'un hibou se pose sur le toit d'une personne, Allah n'en a pas fait un signe ni une cause pour que quelqu'un meure dans la maison. Donc ça, c'est une fausse croyance. C'est relier des événements qu'Allah a destinés avec des causes qui n'en sont pas. Et ça fait même partie du shirk. Car le prophète a dit dans un hadith, at-tiyaratu shirk. La superstition, c'est du shirk. Donc vous observez ici dans le hadith que il n'a pas dit wala tiyara. Alors que l'imam Malik, dans le titre du chapitre, il a dit chapitre sur at-tiyara. C'est pour nous montrer que At-Tiyara, c'est ce qui est cité dans ce hadith. At-Tiyara, qu'est-ce que c'est? At-Tiyara, ça a été cité dans plusieurs hadiths. Ça a même été cité dans le Coran. Quand les mécréants disaient aux prophètes et aux croyants qui étaient avec eux, qu'est-ce qu'ils disaient? Inna tatayyarna bikum. Qu'est-ce que ça veut dire tatayyarna bikum? Ça veut dire, vous nous portez la poisse. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que la présence du prophète, d'un prophète chez eux, et des croyants chez eux, ils voyaient que ça leur portait la malchance, ça leur portait malheur. C'est ça que ça veut dire tatayyarna bikum. Et les croyants, ils répondaient innama ta'irukum indallah. C'est-à-dire, votre sort est auprès d'Allah. Ce qui vous arrive de bien, ça vient d'Allah. Ce qui vous arrive de mal, ça vient d'Allah. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'un prophète ou des croyants soient parmi vous. Donc, par exemple, Pharaon également disait ça à Moussa et aux enfants d'Israël. Hein, que, et pour eux, il leur portait malheur. Et ils voyaient que les catastrophes qu'Allah leur a mises, c'était à cause d'eux, à cause de leur présence. Donc ça s'appelle « at-tiyara » et on peut dire également « at-tatayyur ». Et bien sûr, le mot de quoi il vient? Ça s'entend. Ça vient de « at-tayr », ça vient de l'oiseau. Pourquoi le mot « tiyara » ils l'ont pris du mot « tayr », du mot « oiseau » C'est parce que les Arabes avant l'islam, quand ils entreprenaient un projet, comme un voyage par exemple, il faisait peur à des oiseaux, c'est pour ça qu'on appelle ça Zajr al-Tayr. Il faisait peur à des oiseaux pour qu'ils partent. Et ensuite, il regardait dans quelle direction ils partaient. S'ils partaient à droite, il disait que le voyage il va être bien, et ils partaient. Si les oiseaux partaient à gauche, il disait que c'était un signe de malheur, et ils restaient, ils partaient plus tard. Donc, ils ont appelé ça la superstition, ils ont appelé ça At-Tiyara. On appelle ça aussi en français la mauvaise augure, l'augure. Donc dans le hadith, At-Tiyara n'est pas cité. Mais croire au hibou comme ils y croyaient, ça rentre dans At-Tiyara. Ensuite, il a dit dans le hadith, Wala Safar. Wala Safar, il n'y a pas de Safar. Safar, c'est le mois de Safar qui est voulu ici. Pourquoi il a dit il n'y a pas de Safar? Est-ce que ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enlevé un mois du calendrier? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que il ne faut pas croire au mois de Safar comme les Arabes d'avant l'islam. Car les Arabes avant l'islam, ils avaient peur du mois de Safar. C'est-à-dire que pour eux, le mois de Safar, ils portaient la poisse. Et donc, ils n'entreprenaient pas de projet dans le mois de Safar. Donc, l'islam, il est venu annuler cette superstition en disant « La Safar ». Il n'y a pas de Safar. C'est-à-dire, il ne faut pas que tu aies peur du mois de Safar. Si tu as quelque chose à entreprendre dans le mois de Safar, tu peux le faire. Tu n'as rien à craindre. Ensuite, il a dit « Wala yahulla al-mumridu ala al-musih ». Il a dit donc qu'un mumrid, le mumrid ici, c'est-à-dire celui qui a un troupeau de bêtes qui sont malades, n'aille pas vers celui, al-musih, celui qui a un troupeau de bêtes qui sont en bonne santé. Donc il veut dire ici qu'il ne faut pas amener des bêtes qui sont malades vers des bêtes qui sont en bonne santé.
Et après, il a dit, et que celui qui est en bonne santé aille où il veut, parce qu'on ne le craint pas. Et les gens ont dit, ô messager d'Allah, pourquoi ça? Et il a dit, innahu azar, car c'est un mal, c'est une nuisance. Donc au début du hadith, il a dit, la adwa, mais à la fin du hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Il ne faut pas approcher des bêtes malades, des bêtes qui sont en bonne santé, parce qu'il y a une nuisance dedans. Et cette nuisance, quelle est-elle? C'est la contagion, justement. Donc on passe au kitab suivant, c'est-à-dire au chapitre suivant. Donc là, on était dans les sous-chapitres à chaque fois. On était dans kitab ul-ayn, et maintenant on passe à kitab ul-sha'r, ou alors al-sha'r. C'est-à-dire, c'est le chapitre qui parle des cheveux, de la barbe, etc. Donc l'imam Malik, rahimahullah, a mis tout un chapitre sur ce sujet, avec plusieurs hadiths. Et on va voir qu'en vérité, les premiers hadiths, ils parlent de ça, mais après, c'est sur des hadiths qui n'ont plus de rapport avec les cheveux. C'est des hadiths divers. Donc il dit, rahimahullah, kitab ul-sha'r, ou al-sha'r, bab sunnati fi sha'r. Donc chapitre de la sunna dans les cheveux. وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. Donc le premier hadith que l'imam Malik a mis ici, رحمه الله, c'est que le prophète صلى الله عليه وسلم a ordonné d'enlever les moustaches et de laisser les barbes. Comment il a dit en arabe? إحفاء اللحى. الإحفاء, certains savants, ils l'expliquent par le fait de l'enlever complètement, c'est-à-dire la raser. Et d'autres savants, comme l'imam Malik, ils l'expliquent, al-ihfa, par le fait de couper tout ce qui tombe sur la lèvre. C'est-à-dire que la moustache, elle ne doit pas tomber sur la lèvre. On doit voir le blanc juste au-dessus de la lèvre. C'est ça, al-ihfa. C'est-à-dire, ou alors également de la couper beaucoup. Dans d'autres hadiths, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, qassu shawari. Donc il y a quelques savants qui disent que ihfa, l'ihfa, c'est le rasage de la moustache, et que donc il y a deux sunnas. Ça peut être le rasage de la moustache, ou alors ça peut être la diminution de la moustache. Et d'autres savants voient que la seule sunna dans la moustache, comme l'imam Malik par exemple, rahimahullah, c'est de la tailler. C'est de la tailler de sorte à ce que, au minimum, les poils ne tombent pas sur les lèvres. Ça, ça fait partie également de mahasinul islam, de la beauté de la religion, et parce qu'il y a une sorte d'hygiène aussi. Et ça, on le voit. Quand on voit les autres religions qui portent aussi la barbe, comme par exemple les juifs ou les sikhs, etc., on voit que, on voit une différence dans leur visage avec les musulmans. C'est laquelle, souvent? C'est la moustache. La moustache, ça donne un aspect sale ou repoussant à la personne. Alors que l'islam, il a demandé de la tailler, la moustache, mais par contre de la barbe, de la laisser. Donc sur la barbe, il a dit, وَإِعْفَى الْلِحَى. Ça vient du verbe أَعْفَى. أَعْفَى, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire laisser complètement. Ça, qu'est-ce qu'il veut dire ce hadith? Ça veut dire que la barbe, il ne faut pas du tout la toucher. Donc la barbe, il l'explique par les poils qui poussent sur les deux mâchoires. C'est ça la barbe. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux musulmans qu'ils ne touchent pas à leur barbe. Et il faut savoir que de laisser pousser sa barbe, avant d'être la sunna des musulmans, c'était déjà la sunna des arabes. C'est-à-dire que les arabes, ils ne connaissaient pas le fait de raser sa barbe. Et les musulmans n'ont jamais connu le fait de raser leur barbe. C'est arrivé au 10e siècle de l'Égypte que certains musulmans ont commencé à laisser pousser leur barbe. Et c'était une firqa, c'est une secte qui est née dans le monde musulman. J'ai oublié leur nom parce qu'il est un petit peu compliqué. C'est une secte et elle ressemblait aux Perses. Parce que ceux qui étaient connus pour raser leur barbe et avoir des grosses moustaches, c'était les Perses, les Majous. Les Majous qui sont des koufars, bien sûr, ceux qui adorent le feu, etc. Et cette secte, elle a ressemblé aux Majous. C'est-à-dire, elle a copié les Majous et elle a commencé à raser les barbes. Et c'était nouveau. C'est-à-dire que chez les musulmans, personne n'avait jamais vu ça, quelqu'un qui rase sa barbe. C'était connu, même pas dans toutes les communautés, parce que même dans les communautés mécréantes, les hommes étaient connus pour porter la barbe. Mais c'était connu chez les Perses spécialement, qu'ils avaient des grosses moustaches et ils rasaient leur barbe. Donc il n'y a qu'au 10e siècle que ça existait dans l'islam, mais c'était juste une secte qui faisait ça. Par contre, le fait de raser sa barbe, c'est revenu en force
dernièrement, à cause de l'istirmar. L'istirmar, qu'on ne doit pas appeler istirmar. On doit dire istidmar. On ne doit pas dire istirmar. La colonisation. Parce que istirmar en arabe, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme civiliser un pays. C'est ça que ça veut dire istirmar. C'est-à-dire on va le remplir, on va le construire, on va, etc. Alors qu'ils ont détruit les pays, ils ont pillé les pays, ils n'ont pas reconstruit les pays. Ils ont détruit les religions et les croyances des gens. Quand ils sont partis, ils ont laissé des constitutions à la place du Coran. Ils ont laissé le shirk et le kufr à la place, dans beaucoup d'endroits bien sûr, c'est pas général, alhamdoulilah, mais à la place de l'islam. Donc c'est l'istidmar, Cheikh Abdelhamid ibn Badis, rahimahullah, d'Algérie, il disait, il est interdit de dire l'istirmar, il faut dire l'istidmar. L'istidmar qui veut dire la destruction. Et c'est l'istirmar qui a répandu, quand le fait de raser la barbe s'est répandu chez les Occidentaux, eh bien, eux, une fois qu'ils ont, qu'eux-mêmes ont répandu cette habitude chez eux, quand ils ont colonisé les pays, donc les Anglais, les Français, les Portugais, ils ont répandu le fait de raser la barbe. Au point où après c'est devenu quelque chose de banal. C'est devenu quelque chose de commun chez les musulmans. Parce que généralement, on observe que quand un pays, quand un peuple prend le dessus sur un autre peuple, qu'est-ce qui se passe? Le peuple qui est soumis, il copie le peuple qui est au-dessus. Alors que c'est contraire à la religion. Donc ça, d'où ça vient? Ça vient de l'istirmar en vérité. Ça vient de la ressemblance aux mécréants. Mais dans la religion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans beaucoup de hadiths, c'est plusieurs hadiths, وَفِّرُ الْلِحَ أَعْفُ الْلِحَ أُعْفُ الْلِحَ. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de barbes, beaucoup de hadiths, pardon, qui parlent du fait de laisser pousser les barbes. Alors en plus, il a parlé de tawfir, i'fa, etc., qui exprime le fait de laisser. Laisser, qu'est-ce que ça implique? Ça implique de laisser complètement la barbe sans la toucher. C'est ça que l'islam nous a enseigné. Et c'est une ibad. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qu'on fait par coutume. C'est pas une coutume. C'est une ibad. On le fait pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam Ibn Hazm, rahimahullah, dans son livre Al-Muhalla, il a rapporté l'ijma', c'est-à-dire l'unanimité des musulmans, que halq al-lihya haram, que le fait de raser sa barbe, c'est haram. Donc maintenant, peut-être à la parabole, ou à droite ou à gauche, vous allez trouver des gens qui vous disent c'est makruh, mais il faut les laisser parler. L'islam, il était là il y a 1400 ans, on n'a pas besoin de quelqu'un qui nous dit des choses qui sont nouvelles, qui vient rajouter ou qui vient enlever dans la religion. Les ulama, ils étaient tous d'accord pour dire que raser la barbe, c'est haram. Haram, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un péché. Que la personne, elle doit se repentir de cette chose-là. Et ils sont tous d'accord également que la tailler, c'est interdit aussi. C'est interdit, mais c'est pas un péché comme la raser. C'est moins grave. Mais ça reste interdit. Parce que le prophète a dit de laisser pousser la barbe. Et c'était la sunna déjà du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui était, comme ils l'ont décrit, « katiful lihya ». Qu'est-ce que ça veut dire kasiful lihya? C'est-à-dire que la barbe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ne veut pas dire qu'elle était longue, ça veut dire qu'elle était dense. Une barbe dense, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de poils dans sa barbe. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu était décrit pour avoir une barbe qui atteignait ses deux épaules. Alors qu'il était plutôt faible physiquement. Radiallahu anhu. Ça, c'était la sunna des musulmans avant. Le fait. Et même il n'y a pas longtemps encore, c'était connu chez les musulmans, chez les arrière-grands-parents, on va dire, de laisser pousser la barbe, mais c'est quelque chose que les musulmans, ils ont perdu. Et celui maintenant qui laisse pousser sa barbe, premièrement, il fait ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, sachant qu'Allah nous a dit, « Ati'u Allah wa ati'u al-Rasul, obéis Allah, obéis au messager. Man ata'a al-Rasul, faqad ata'a Allah, celui qui obéit au prophète, il obéit à Allah, etc. » Et deuxièmement, quel mérite il a, celui qui laisse pousser sa barbe? C'est que le prophète a bien dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Man sanna fil islami sunnatan hasana, falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di, min ghayri an yanqusa dhalika min ujurihim shay'a. » Celui qui instaure dans l'islam une bonne sunna, c'est-à-dire celui qui fait revivre dans l'islam quelque chose que les gens ils avaient oublié, il aura la récompense pour ce qu'il fait, et tous ceux qui le copieront, il aura leur récompense. Sans que ça diminue leur récompense. Donc si on se contente de dire ça, mais que personne ne le fait parce qu'on a honte des mécréants, etc., ça ne va jamais revivre. Et quand on regarde
beaucoup de non-musulmans aussi, eux, ils n'ont pas honte de laisser pousser leurs barbes. Les historiens, les philosophes, les communistes, etc. Eux, ils n'ont pas honte d'être barbus, etc. Donc le musulman qui sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de le faire, lui non plus, il ne doit pas avoir honte. Au contraire, il doit être fier de sa religion. Et surtout, il faut craindre de se moquer de ça. Car quand une personne, elle se moque de la barbe de quelqu'un, là, elle se moque de la religion. Si elle se moque de la barbe. Si elle se moque de la barbe de la personne, parce qu'elle n'est pas belle, etc., ça c'est autre chose. C'est un péché parce qu'il s'est moqué de lui. Mais s'il se moque de la barbe en général, il dit par exemple, c'est quoi ces barbus, c'est quoi vos barbes, etc., là, il touche à la religion. Et on lui dit, si tu étais devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu te serais moqué de lui ? Eh bien, sache que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de derrière les sahaba, qu'est-ce qu'il disait dans la salat ? Je savais que le prophète récitait parce que je voyais sa barbe bouger. Derrière. Ça veut dire que sa barbe, elle était dense. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on passe au... Et le madhab de l'imam Malik au sujet de la barbe... نعم سنة وفطرة نعم زيادة نعم نعم c'est vrai les ulama ils expliquent dans la hikma qu'il y a dans la lihya etc c'est également que c'est la fitra parce que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam ashrun min al fitra 10 choses font partie de la fitra c'est quoi la fitra c'est la nature de l'être humain c'est-à-dire l'être humain tel qu'Allah l'a créé tel qu'il veut qu'il soit quand il a créé Adam et dans les 10 choses il a dit i'fa ul lihya le fait de laisser pousser sa barbe. Il l'a mis dans le fitra. Donc celui qui la rase, il contredit le fitra. Sachant que Shaytan, qu'est-ce qu'il a dit à Allah subhanahu wa ta'ala ? وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُونَ خَلْقَ اللَّهِ Je leur ordonnerai et ils changeront la création d'Allah. Donc celui qui change la fitra, il a obéi au Shaytan en faisant ça. Et pour les habits ? Pour ? Les habits pour la prière ou... Non, les habits, c'est plus souple. Pourquoi ? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas ordonné d'habits précis. À part pour la femme. Pour la femme, Allah a dit « Liyudnina alayhinna min jalabibihin » Donc la femme, elle est obligée de porter un grand tissu qui la couvre. Mais l'homme, l'islam, il a laissé la question large. C'est-à-dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'habillait comme son peuple s'habillait. Donc les Arabes à l'époque ils portaient l'Iza et l'Rida ou alors Sarawil et le Qamis. Et le prophète mettait ça aussi. Il mettait un turban comme son peuple mettait le turban. Donc c'est pas quelque chose. La question des vêtements, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné des règles à suivre dans les vêtements, mais il nous a pas dit de mettre tel ou tel vêtement. Il nous a pas dit par exemple mettez le Qamis. Le Qamis ça reste une coutume arabe. Donc, celui qui vit dans un pays où le qamis c'est la coutume, il met le qamis, tout simplement. C'est pas plus que ça. Donc, à chacun de s'habiller comme il le veut, mais sans faire de... sans que ce soit libes shohra, c'est-à-dire un vêtement qui attire l'attention et qui fait qu'il se distingue des autres. Et également, il doit respecter certaines règles dans son vêtement, comme par exemple satrul awra. Il faut pas que son vêtement laisse apparaître sa nudité. Par exemple, qu'il moule ses cuisses ou ses fesses. Par exemple pour le pantalon, si son pantalon il arrive à ce qui moule complètement ses cuisses ou ses fesses, là il est haram parce qu'il ne cache pas sa aura. Également le vêtement, il ne faut pas que dedans il y ait du tashabbuhu bil kuffar, la ressemblance au mécréant. C'est-à-dire la ressemblance au mécréant, c'est de mettre un vêtement qui est propre au mécréant. Par exemple le pantalon maintenant c'est plus la ressemblance au mécréant parce que tout le monde le met maintenant. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, j'écoutais Abdelaziz Al-Rajihi, qui fait partie des grands ulama de l'Arabie Saoudite, lui-même, il dit, le pantalon, maintenant, c'est plus la ressemblance au mécran, parce que maintenant, tout le monde le met. Mais, il faut qu'il soit large, il ne faut pas qu'il colle les cuisses et qu'il colle les fesses, et également, parce que c'est aussi nuisible pour la santé de la personne. Donc, si elle met un pantalon qui est assez large au niveau de sa nudité, elle a le droit. Également, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit l'isbel. A interdit l'isbel, c'est-à-dire que le vêtement descend en dessous de la cheville. Ma tahta al-ka'bayni fa huwa fi an-nar. Donc en fait, dans le vêtement, il n'y a pas de vêtement précis à mettre, mais il y a des bawabit, il y a des règles à respecter dans le vêtement.
Mais sinon, il n'y a pas de vêtement précis à mettre. C'est quelque chose de large, la personne, plus ou moins, elle peut mettre le vêtement qu'elle veut. Tant qu'il n'y a pas, donc, les interdits qu'on vient de citer. Donc, il dit ensuite, وحدثني, donc le madhab de l'imam Malik, c'est ça que j'allais dire, rahimallah, ça que j'allais dire, donc, sur la barbe, c'est que, bien sûr, elle est obligatoire, il est obligatoire de laisser pousser la barbe, et il dit, il la masahu shatolu, c'est-à-dire, lorsqu'elle est trop longue, là, la personne a le droit de la couper. Ça, c'est le madhab de l'imam Malik, rahimallah ta'ala. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. Donc là, c'est une parole de Humayd ibn Abd al-Rahman ibn Auf, qui faisait partie des savants des tabi'im, donc le fils de Abd al-Rahman ibn Auf, qui faisait partie des 10 promis au paradis. Il dit, j'ai entendu Muawiyah ibn Abi Sufyan l'année où il a fait le pèlerinage. C'est-à-dire Muawiyah, quand il était amir al-mu'minin, radiallahu anhu, une année il a fait le hajj, donc on sait que Muawiyah, lui, sa capitale, c'était Dimashq. Il était à Dimashq, à Damas. Donc une année il a fait le hajj et en revenant il est passé par Médine. Et on sait que Muawiyah radiallahu anhu était quelqu'un de fadil, alim. C'était quelqu'un de science et qui avait beaucoup de mérite. Et Abdullah ibn Abbas lui-même l'a désigné comme étant quelqu'un de alim. Et il faisait l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Donc il s'est mis sur le minbar et il a pris une poignée de cheveux qui était dans les mains d'un gardien qui était à côté de lui. C'est-à-dire un de ses gardes lui a donné les cheveux, il les a dressés comme ça, il a dit « Oh vous les gens de Médine, où sont vos ulamas? Où sont vos savants ?» C'était quoi ces cheveux? C'était des cheveux que quelqu'un mettait sur sa tête pour rajouter à ses cheveux. On appelle ça, quand le prophète a dit ça, « La'an Allah, l'wasila, l'wasl, l'wasl », c'est le fait que quelqu'un ait des cheveux, mais il rajoute à ses cheveux. Il va attacher des cheveux à ses cheveux pour tromper, pour s'embellir. Et donc Muawiyah, radiallahu anhu, a blâmé cet acte. Et il l'a fait en montrant les cheveux, c'est-à-dire pour que l'impact y soit plus fort. Il aurait pu dire, par exemple, j'ai vu ou j'ai entendu, mais pour que l'impact soit plus fort, il a montré les cheveux sur le minbar. Et il a dit, oh les gens de Médine, où sont vos ulama? Donc il les a réveillés, il les a blâmés. C'est comme s'il disait, où sont vos ulama? Car vos ulamas sont censés enseigner aux gens et répandre la science, et montrer aux gens que ces choses-là sont interdites. Et pourtant, bien sûr, que les ulamas à cette époque étaient présents et faisaient leur travail de conseil, de da'wa, etc. Comme il y aura toujours des ulamas qui le font, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, donc il a voulu les attirer leur attention et leur faire le rappel. Et il a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdire ceci, et il a dit, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Banu Israël, c'est-à-dire les enfants d'Israël, ont péri lorsque leurs femmes ont commencé à faire ça. Car généralement, ce sont les femmes qui font ça. Surtout les femmes qui ont des cheveux qui ne sont pas lisses. Comme des fois elles sont complexées ou alors elles veulent plaire, elles vont être amenées à se rajouter des cheveux, à attacher des cheveux à leurs cheveux. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celle qui fait ça. Comme il a maudit celle qui épile ses sourcils, etc. Donc regardez ici Muawiyah radiallahu anhu, comment, de quelle façon il n'a rien laissé passer. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas dit, ça c'est quelque chose de petit, ça c'est quelque chose qui concerne les femmes. Il en a fait une grande affaire. Alors qu'en même temps, Muawiyah c'était le chef de tous les musulmans. Il était occupé par le djihad, il était occupé par la zakat, il était occupé par beaucoup de choses. Mais regardez comment les sahabas étaient, radiallahu anhum, et comment ils étaient quand ils avaient l'autorité, c'est qu'ils ne laissaient rien passer. Ils faisaient attention aux choses qui sont grandes, comme aux choses qui peuvent sembler petites. Parce qu'en fait, elles ne sont pas petites. Elles peuvent sembler petites, parce que dans la vie de tous les jours, les gens les font facilement, mais auprès d'Allah, elles sont graves. Donc regardez comment ils ordonnaient le bien, et ils interdisaient le blâmable. Radiallahu anhu, radiallahu anhu. Et Muawiyah, c'est lui qui était connu pour
le fait que lorsqu'il entendait des exhortations, il pleurait, radiallahu anhu, sachant que des musulmans insultent Muawiya parce qu'ils sont influencés par la pensée d'un tel ou d'un tel, et ils insultent Muawiya ou alors etc. Tout ça parce qu'ils ne connaissent pas qui était Muawiya et parce qu'ils ne connaissent pas les mérites qu'ont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand certains savants des salafs ont leur demandé qui est meilleur, Saïd ibn al-Musayyib ou Muawiya, Saïd ibn al-Musayyib qui était le meilleur des tabi'in, il répondait la poussière qui était dans le nez du cheval de Muawiya est meilleure que Saïd ibn al-Musayyib. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas chercher à faire de comparaison entre le meilleur des tabi'in et Muawiya ou Amr ibn al-As et Khalid ibn al-Walid, etc. C'est-à-dire ceux qui se sont convertis plus tardivement que les Muhajirines et les Ansar. C'est l'heure ? Non ? وحدثني عن مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أنه سمعه يقول سدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ما شاء الله ثم فرق بعد ذلك. Ici c'est Ibn Shihab al-Zuhri, Muhammad ibn Muslim Ibn Shihab al-Zuhri, le grand imam des tabi'in, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit sadala, ça veut dire quoi sadala? Sadala c'est quand on laisse tomber quelque chose, on lâche quelque chose. Nasiyatahu. C'est quoi un nasiya? Nasiya, c'est le haut du front, le devant de la tête, ici. Donc là où les cheveux commencent à pousser. Il dit, il a laissé sa nasiya. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un premier temps, quand il était à Médine, sa façon de se coiffer, c'est qu'il laissait ses cheveux tomber devant, sur son front. Et ça, c'était la manière de faire des juifs et des chrétiens. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un premier temps, s'est différencié des mouchriquines et ressemblé aux chrétiens et aux juifs, en espoir que ça les approche de lui et de l'islam. Et par la suite, il s'est différencié d'eux et il a dit « Thumma faraqa ». Faraqa, c'est-à-dire qu'il séparait ses cheveux et les faisait tomber sur le côté. Est-ce qu'on va retirer de ça que forcément ça c'est une sunna? On va dire que en fait, la sunna ici, c'est de ne pas ressembler au kuffar. C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appliqué. Et c'est lui qui disait « Man tashabbah bi qawmin fahwa minhum ». Celui qui ressemble à un peuple, en fait. Donc, même dans les cheveux, il ne faut pas ressembler au kuffar, dans le sens qu'il ne faut pas faire une coupe de cheveux qui est propre au kuffar. C'est ça le sens. Maintenant, si une coupe de cheveux, elle devient banale, et elle devient répandue autant chez les mécréants que chez les musulmans, là, c'est plus de la ressemblance au kuffar. Vous voyez la différence? Par exemple, au début, les femmes, elles vont faire des choses parce qu'elles les voient à la télé dans les feuilletons. Ça, c'est interdit. Mais après, ça devient répandu, de sorte à ce que les musulmans, ils le font non plus parce qu'ils regardent les kuffar, mais parce que c'est connu et que c'est banal. Là, ça devient plus du tashabbuh bil kuffar. Et également, être tashabbuh bil fussaq, également, c'est interdit. Si, par exemple, le fait d'avoir les cheveux de telle ou telle façon, c'est un signe précis de gens qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, comme un groupe de musique, etc., alors le musulman, il doit se distinguer de ces choses-là. Ça. Se raser les cheveux? Non, c'est pas pourquoi, c'est quoi se raser les cheveux? Ouais, mais les skins, quand ils se rasent, ils ont d'autres trucs à côté sur lesquels tu les reconnais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que qui se rase le crâne. Non, mais surtout, il n'y a pas que qui se rase le crâne. Il y a plein de musulmans, non-musulmans, il y a plein de gens qui se rasent le crâne sans pour autant être des skinheads. Skinhead, lui, il a plein de choses autour aussi qui le montrent, qui fait partie de ce groupe. Donc, ça fait pas... C'est pas... Il est l'heure. Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui. Barakallahu fikoum. Jazakum Allah. Ala husni istima'. والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه